Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'épisode 4 du Let's Play sur Resident Evil Village. Let's go, c'est parti. Alors, après un échange avec notre magnifique duc, qui nous a dit qu'en fait on avait un bocal avec la tête de notre bébé dedans, on va aller chercher le reste de notre bébé. Alors, comment j'y vais? Comment j'y vais? Alors, on a plusieurs options. On a l'option de la meuf avec la poupée. Enfin, la meuf en forme de poupée. Allez, aller rendre une petite visite. Ou alors, on a le celui avec le monstre dans le lac. Je vous avoue que celui avec le... Celui-ci, là, ne m'attire pas beaucoup. Donc, on va essayer d'aller voir la meuf avec les poupées. Si on peut choisir. Si on peut pas, bien sûr, eh bien, on fera là où on pourra aller. Alors, du coup... Il y a un pont-levis là-bas. Il y a un pont-levis là-bas, j'imagine que... Ah, attendez. C'est peut-être ici pour aller à la poupée. Est-ce que c'est indiqué ici? Interagir. Bah, écoutez, on y va. Hein. Je sais pas où je vais. Je pense que c'est la poupée. Oula. C'est sinistre. Ah, des tombes. Oula, c'est brumeux. Bon, je pense que c'est avec la meuf de la poupée, parce que là, il y a des poupées partout, à mon avis. On doit être au bon endroit. Non, vous envolez pas les corbeaux. Putain, c'est trop, ils avaient du loot, je suis deg. Pas très rassuré hein, d'un coup. Hein. Oh non, une poussette, c'est terrible. Il y a pas mon bibi dedans. Ça va être l'endroit principal. Je vais peut-être aller visiter les autres endroits. Peut-être qu'il y a du loot. Des petits goodies à choper. Ou je ne sais quoi. Non, bon, écoutez, on va continuer. J'ai pas envie de me perdre. Donc la musique est très flippante. L'ambiance est flippante. L'endroit est très flippant. Donc, il va forcément se passer quelque chose. Oh non, c'est encore des marécages. Oh merde. Cours. Cours, Ethan. Je voulais visiter un petit peu, mais. D'accord. Elle est super, super. Super, super tout ça. Ethan. Quoi? Oh non, les gars. Oh non, pas ça. Tout, mais pas ça, pitié. Coucou. Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Non, mais c'est dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Y'a personne. Je peux pas courir. Je ne peux pas courir. Rose a l'air. Différente. Bah, elle a plus de tête. Ethan, tu dois faire quelque chose. Ouais, ouais. C'est quoi ce bordel? Mais tu délires, mec. Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne peux pas être seule. Mais t'es pas seule. T'es juste morte. C'est pas réel. Ah, c'est bon, je peux courir. Oh là là, mais c'est un sacré cimetière ici. Oh, bordel de merde. Où est-ce que je suis? Il y a une tombe. Mais putain, elle a 9 ans. Je peux rien faire d'autre. Putain, elle avait 9 ans, la meuf, là, qui est dans le tombeau. C'est terrible. Je deviens fou. Non. Abandonne tes souvenirs. Oh genre, faut lui mettre la photo. Complètement pif, les gars. Je vais peut-être pas mettre une clé dedans. Qu'est-ce qui se passe? Genre, la photo avait un intérêt depuis le début. Bon, ouais, on va ouvrir. Hein. Oh, j'ai pas d'arme? Si.
Bonjour. Un ascenseur. Putain, il y a un ascenseur dans cet endroit là. Je peux que monter. Très bien. Attention à vous. Je suis armé. Ah non. Oh non. Oh non, pitié. Non, faut arrêter avec les ascenseurs, c'est pénible à force. Faut arrêter. Vraiment. C'est très long. Faut le dire quand c'est de l'autre côté. Prévenir, hein. Prendre le pompe. Je suis plus serein avec le pompe. Oh non. Oh non, je préférais le château, hein. Eh vraiment, hein, mais je peux revenir dans le château. Là franchement non, c'est dégueulasse là. Quand je vois les cascades par contre, il y a une sacrée vue, hein. Dommage qu'il y ait du brouillard, mais sacrée vue quand même. Hein. Mais putain, faut vraiment que j'aille là-dedans. Oh, j'ai pas envie. Au secours. Oh non, mais c'est la maison hantée. Non mais j'ai pas envie les gars. Ah quoique. Oh, je sais pas. Il y a des endroits qui me paraissent. Oh, ta. Je peux pas les casser ceux-là. D'accord. Ok, je vais aller voir de l'autre côté avant de rentrer. Oh, l'ambiance du bordel quoi. Oh. J'ai pas envie. Je veux plus jouer. Genre tu vas me dire que là je peux pas pousser les cartons là. Ah ça dégoûte. Putain, j'ai le cœur qui... Poupoum, poupoum, poupoum. J'aurais dû mettre un détecteur. Oh, mais putain. Vous avez vu les tableaux, c'est dégueulasse, c'est horrible. On a un chien. Oh, y a des poupées. En même temps, je m'y attendais, hein, qu'il allait y avoir des poupées, mais. Je préfère le monsieur avec le lac. Je veux le lac, pitié. Ok. Vous remarquerez que je cours pas là. Je prends mon temps. J'aime pas les poupées. Je vais garder mon pompe, on sait jamais. Je me dis qu'une poupée avec un pompe, ça peut pas faire. Hein. Par contre les petits bruits là comme ça on va éviter. Oh putain la vache. Oh c'est creepy as fuck. Au secours. Pour faire la déco hein. C'est quand que ça pète? C'est quand qu'il se passe quelque chose là. Là je suis de l'autre côté, c'est ça. Mais il y a forcément un jour où quand je vais ouvrir une armoire. Une armoire ça va. Bon je me casse. Je me casse. T'as l'ambiance, c'est un truc de fou par contre. Ah. Putain, mais la taille de la baraque, elle fait pas cette taille là à l'extérieur. Truc de fou. Putain, mais. Genre, je suis juste là-dedans là. Non. Vous mentez. Qu'est-ce que c'est? Ok.
Un tableau électrique. J'ai mis clic les gars. Oh putain, j'ai perdu une balle. Oh, je suis deg. Mais y a personne dans cette maison. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis juste censé trouver le bocal. Oh la vache. J'ai même pas de lampe torche, j'ai rien. Quoi? Oh, ça fait que 10 minutes, au secours! C'est fermé. Je ne cours pas, les gars. Je joue très safe. Ça me fait vraiment penser au premier Resident Evil, genre avec la caméra au-dessus. Ah, oh, on y arrive. On y arrive. Genre où des longs couloirs. Bref, ça me rappelle vraiment. Ça. Bah, elle est là, hein. Elle est là, c'est elle. Hein. Non, putain, non. Non, non. Je t'attendais plus si longtemps. Je ferai une dernière figure rose. Dis, tu veux pas rester avec moi pour toujours? Bah, je sais pas, hein. Quoi? Merde, où est mon arme? Ah non! Ah non! Ah non! J'ai pris le bocal au moins. J'ai plus rien. On m'a tout pris. Tu aimes quand je te fais des papouilles sur le bras? Oh, c'est malaisant. J'arrête ça de suite. Ah bah super, c'est une photo de ma femme qui s'est fait. Est-ce que ce mannequin c'est bien? Jure, mec. Mets un point de sauvegarde. On se calme. Ah ouais, mais je peux rien faire. C'est terrible. Oh, mais ils m'ont fermé. Ils font un code. Mais... J'ai pas d'arme. Je ne peux que courir. J'ai raté des trucs. J'ai juste cette pièce là. J'ai juste cette pièce. Hey. Ça, ça glisse pas. Voilà. Putain, le pauvre avec ses trois doigts quoi. Ah, ça m'a fait peur. Au secours. Elle va se réveiller hein, d'un moment à un autre là, je vais même. Ok. C'est quelque chose pour couper les bandages. Mais. Où ce tic-tac là? Où ce tic-tac? Mais je peux rien faire d'autre que la caresser, c'est gênant. Gouzi, gouzi, gouzi. Les gens, je peux rien faire avec. Sachant que j'ai pas d'armes.
Ça va être compliqué tout ça. Ah, la bouche. Ouvre ta bouche. Il y a quelque chose dans sa bouche, mais il faudrait un outil pour le saisir. Mais vraiment ? Oh, tu vas me dire que tu peux pas le prendre ? Je peux rien prendre, moi, comme outil. Il y a quoi ? Il y a ça ? C'est terrible. Je peux même pas donner des coups de poing à rien du tout. Là, je peux rien faire. Étrange. Il y a aucun truc avec quoi je peux interagir. Il y a rien du tout. Oh, ok. Ok. Bah, je suis coincé. Parce qu'en plus, il manque une pièce. Ouh, je vais être bloqué. Oh, j'ai passé 3 heures là-dessus. Oh non, je voulais pas faire de cut. Oh, je voulais pas faire de cut. Mais je peux interagir avec sa jambe. Je vais m'énerver. Et déboîte-moi ça. Déboîte-moi la jambe. Ah. Clé de remontage. Et je peux remonter quoi avec? Je peux examiner encore le bras là. Oh mais ça dégoûte. Je vais te retirer le bras. Voilà. Ah. Attends quoi? Le logo c'est des yeux fermés. En plus, je les avais déjà installés. Mais je suis dégoûté. Ça m'avance à rien. Il doit avoir un tableau ou je sais pas quoi avec le corbeau ou un truc du genre, mais... Je dois être débile, je crois. Là, je peux rien faire d'autre avec... Faudrait quelque chose pour couper les bandages, mais merci, mais... Ah mais le corbeau, c'est oui c'est ça. C'est le corbeau qui s'envole vers le côté droit. Ok, je l'avais pas vu. Enfin je l'avais pas capté. Je suis énervé. C'est les mêmes. Oh, c'est pas possible. Tout ce que j'ai fait, ça ne mène à rien. Parce que je suis bloqué. Au secours, les gars! Y a rien dans la poubelle. Je peux pas juste ouvrir la porte? Mais. Je vois pas avec quoi je peux interagir en fait. Mais putain! Quoi ces bruits là? Même avec ça, je peux pas interagir. Y a rien en dessous. Les gars, au secours! Ah, quel connasse à m'avoir coincé là, hein, quand même. Hein. Putain, mais y'a rien. Y'a rien. Ah si. Y'a un... Ah si. Ah si. 5, 2, 9. Putain, c'est tout. 529.
Et j'ai pas la suite. Putain. J'ai 529 mais j'ai pas la suite. Oh les enfoirés. Et c'est tout. 529. Mais ça m'aide pas plus. Et là, il serait quoi? Il serait 9h23? 923? Quel enfer! Il y a forcément un truc à faire avec l'horloge. Mais il est 23. C'est sûr. J'ai vraiment passé une heure là-dessus par contre. T'as trop chiant. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai loupé? Je comprends pas ce que j'ai loupé. Tout que j'ai même pas d'arme pour découper juste ce petit. Mais genre il peut pas le. Il me saoule s'il peut pas genre tirer sur le truc là au lieu de chercher une arme pour. Enfin un outil pour découper le truc. Il me dégoûte. Il me dégoûte de ouf. Je fais tous les trucs improbables. On me dit pas que j'ai raté un truc. Oh, je vais m'énerver. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Je suis extrêmement énervé. Frotte, 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 frotte. Bon, on avance, c'est cool. Ah, mais du coup, c'était pas vraiment... Ok. 05 29 11. Ça, c'est le code, j'imagine. C'est vrai, depuis l'autre côté. Attention. C'est pour se cacher? Oh non. On va devoir se cacher vraiment? Je suis prêt. À n'importe quel moment je me cache. Hein. De toute façon c'est tout ce qu'il reste à faire. Merde, j'ai oublié le... J'ai oublié le numéro. 05 29 11. 0 5 29 11. Allez, je me casse cet endroit là. C'est bon, elle m'a saoulé l'autre là. Quand j'ai toujours pas d'arme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah les bâtards. Cette ambiance là, j'en peux plus hein. Fuite, 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 fuite. Cette ambiance elle est horrible. Il y a beaucoup de placards quand même hein.
Cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Qu'est-ce que ça fait là ? Oui. Quelque chose n'est pas à sa place. Mais comment je suis censé savoir ça, quel enfer ? Ah, c'est en fonction des traits. Ok. Je pense que j'ai compris. Non. Ça. Ça me paraît bien, là. On est pas mal, là. Une pincette. C'est quand même bizarre, toutes ces armoires, là. Ça me... Bonjour. La la li, la la la. Titati, titata, il pourrait m'arriver. Ah, c'est des bâtards d'avoir fait ça. Je commence à bégayer, au secours. Bon. Je préférais quand la porte était fermée. Non, c'est pas cet œil. C'est la bouche. Ouvre ta bouche. Tu vas me dire qu'il a besoin d'une pincette pour récupérer ça, c'est abusé par contre. À cacher. Il y a un endroit que j'ai raté. Ah oui, là-bas. Oh, faut que je retourne dans le couloir de la mort, là. Oh, putain. Au secours, je me chie dessus, j'en peux plus. Hein. Va forcément m'arriver des bricoles. Ça, j'ai déjà fait tout ça. Ah non. Souvenir de famille. Le meilleur ami de Rose, elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage offert par ma grand-mère, la preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi. Ok. Ah, attendez. Attendez. Le meilleur ami de Rose. Ça doit être son, sa peluche. Meilleur ami de Rose, ok. Elle aime beaucoup cette histoire. Elle aime beaucoup cette histoire. Ok. G. Ce qui compte le plus pour nous. Bah, c'est elle. Un cadeau de mariage offert par ma grand-mère, la preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi. Ok. C'est good. C'est pas très romantique tout ça. Mais c'est le puits! Au secours! Qu'est-ce que je vois? On va sauter dans le puits. C'est ça la prochaine destination, c'est le puits. Mais vous m'envoyez ravi. Ça y est, je sens cet endroit de fou.
Genre je peux. Ah. Hello? Hello? Ça ne répond pas. On m'a pas encore appelé. Quelque chose me dit qu'on va bientôt m'appeler. Où est-ce que je suis? Ah ok. Ah ok, j'arrive, ok. Non, pitié. Je veux pas. Au secours. Allô? S'il te plaît, Ethan, écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Mia? Je t'écoute. Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles? Je vous aime tous les deux. Tellement fort. Je n'ai pas le choix. Il fallait que je le fasse. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Alors. Oh ouais, il manque un bébé. Ah mais c'était cette porte. Pas faire des trucs comme ça là, c'est horrible. Aïe. On se calme. Mais jamais de la vie j'avance en fait. Mais je vais sauvegarder les gars d'abord hein. Et on va s'arrêter là pour cet épisode 4. Non pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout du tout du tout. Oh là là. Quel enfer. Ouais mais qu'on faut y aller hein. On y va hein. Pas possible. Ça fait comme dans le set. On va se prendre notre femme qui va arriver à. Allez. Putain, cette ambiance oppressante là, je. Parce que maintenant faut remonter. Je sais pas ce qui se passe. Oh quel enfer. Je me chie dessus complet là. Je peux même plus parler en fait. Genre je... Bien sûr tout est éteint là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non elle est partie. Oh non elle est partie. Je sais plus où est-ce que c'était. Je sais plus où est-ce que c'était là l'ascenseur et tout. C'est ça? Porte de la mer, non, c'est pas ça. Oh. Tout ira bien, ouais. Tout ira bien. Ouais, t'as gagné, tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Je vais crier, les gars. Quoi cette merde? C'est un bébé géant.
Quel enfer! Oh mais non! Mais quelle immondice! Il peut pas me trouver là! Mais dégage! Oh bordel! Mais je suis censé aller où là, les gars? Parce que là, je suis là. Il va rester là en fait. Bon, écoutez, on y va. On se casse. C'est là. Il est là ou pas, le gamin? Il va être là. Je veux juste de la lumière, merci. Attendez, pause les gars, là j'en peux plus. Attendez, je bois un petit coup. Je pense que là... Ok. J'ai la gorge toute sèche. Oh quel enfer, j'ai les mains moites. Je pense que j'ai le t-shirt qui est mouillé là dans le dos. Enfin, je pense, c'est une certitude. Même si je pense que c'est pas fini, mais déjà c'est un peu plus rassurant déjà. Malgré tout. En plus, j'ai même pas d'armes, j'ai rien du tout. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas récupéré mes armes. Se cacher. Oh non. Nique sa mère, je vois rien. Oh bordel! Mais des fusibles pour quoi faire? Des fusibles pour aller où? C'est pour le tableau électrique encore? Vous allez me dire qu'il va pas y avoir le bébé. On se casse. On se casse. Y'a pas le bébé. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Au secours. Il est même pas là le bébé, il dégoûte. Faut que je retourne au tableau électrique? Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. De toute façon, c'est le seul endroit, c'est le seul truc qui me reste. Bah oui, c'est ça. Comment on y va déjà? Ça, cuisine. Oh bordel. On va devoir courir, les gars. Moi, je pense qu'on va je pense qu'on va courir. À mon avis, je pense qu'on va courir.
J'en viens d'ici. Ces escaliers. Peut-être. Fils de. Quel enfoiré! Il est là! Je suis d'accord que s'il m'attrape, c'est game over, il va pas me faire des dégâts. J'en peux plus. Va-t'en. Va-t'en. Jamais je sors en fait, là c'est fini. Tout que là il en fait disparaître, mais. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu. Surtout que c'est loin quand même ce truc là. J'irai à droite après. Je crois. Non, je peux pas. Putain, il a tout bloqué. Mais là, il va revenir, je pense. Ou pas. Ah, mais non, attendez. Il était où l'endroit là que j'avais pris? Ah mais il me l'a bloqué ce bâtard. Mais oui c'est ça. Ouais il va revenir. Il va revenir c'est sûr. C'est sûr qu'il va revenir. Il va revenir, il va pas être loin à mon avis. C'est à gauche. Vite. Pourquoi je peux pas appeler le truc? Aïe. Je peux pas me cacher. Lâche-moi bébé. Vite. Vite. Quel enfer. Je tremble les gars, je tremble. J'ai eu si peur. Oh j'espère qu'après on le voit plus le bébé, c'est bon. On peut faire largement voir la poupée que... Quoi? Allô? Allez, montre-toi une bonne fois pour toutes, là.
Ah. Ah. Ne pars pas. Je te l'interdis. Ah, toujours en vie, hein? Oh. Dépêche-toi de me trouver avant mes amis ne te tuent. Tic-tac. Ta vie est en jeu. Eh ben super. Essaie de me trouver. Elle est où? Elle est où, cette garce? Tant que c'est pas le bébé. C'est toi, ça? Ah, mais j'ai plus d'armes, c'est vrai. Oh, bah, je vais mourir. What the fuck? Elle était partie par là? Je sais pas où tu te caches, mais... J'ai fait le tour. Ah, elle est là! Ah non, c'est pas elle. Arrêtez de rigoler! Quoi, je suis encore en vie? Faut que je fasse quoi? Faut que je retrouve la bonne, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est là! Elle est là! Ah, je l'ai pas fait ça. Elle est là! Je te tiens! Aïe! C'est qu'elle se cache maintenant. Du coup, j'ai repris de la vie? Pas du tout. J'ai plus le droit à l'erreur, je crois. Elle est là. Y'a là. Rose aussi, tu lui fais ça? Ouais, mais Rose est plus gentille déjà. C'est une cache. Elle est là. Oh, c'était facile. Va forcément m'arriver un truc. Tu n'arriveras jamais à sortir d'ici. Imbécile. Comment oses-tu faire ça à une pauvre petite poupée? Oh, mes yeux. J'ai gagné. Let's go. Oh merde! C'est fini. Mia, je vais arranger les choses. Hein? Ok. Il est temps de quitter cet endroit. Tout à fait d'accord avec lui. On quitte cet endroit de fou. C'est quoi ça? Ah! C'est elle qui faisait tout ça? Oh non, les jambes! Ah, j'ai retrouvé mes armes! Oh! Je peux quitter cet endroit de fou! Oh merci! Eh, plus jamais j'y retourne! Salut! Oh, quel enfer! T'as le coup du bébé! Oh, je m'y attendais tellement pas! Oh, je me casse!
sais pas si c'est par là. Oui, oui, c'est par là. Allez, on se casse. C'est bon. Famille de fous, là. Waouh. Mais en tout cas, il y aurait eu zéro screamer, mais juste l'ambiance du truc, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Après, t'as le bébé qui apparaît devant toi, mais bon, c'est pas vraiment un screamer, quoi. Mais, putain, l'ambiance du truc, c'est incroyable. Genre, je me suis rarement chié autant chié dessus, en fait. Genre, vraiment, c'était si oppressant. J'arrive même plus à parler tellement ça... Au secours. Par contre, c'était tellement bien. C'était oppressant, c'était très flippant, mais c'était tellement bien, par contre. J'ai trop kiffé. Ouais, je me casse. Hop là. Je vais retourner voir le duc. Mais au moins lui, il est gentil. Je sais plus par où c'était. Je l'avais fait tout ça. Cool. Bon, on visite un petit peu. Je sais plus par où c'était. Oh mais j'ai raté tellement. Oh les bâtards. Bah, me faites pas chier les gars. Mais c'est pas délicat ça. C'est des morts vivants. On se casse. Mais elle est où la sortie? À l'aide. Elle est pas par là la sortie. Elle est par là. Ouais. Oh. Fouf. Putain, il aura tenu ce pont là. Il aura pas lâché. C'est bien. Ah non, c'est bon, je me casse. Hein. Tant pis pour les loot. Hein. Non, 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 non. Non, je suis coincé. Mais tu me bloques. Vous. On se casse. Mais vous me bloquez, les gars. Putain. Ils m'ont cassé les couilles. Monsieur le duc! Monsieur le duc! Oh! 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 Mais qu'est-ce que tu fais avec cette poupée? Ça va, bro? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Heureusement, oh. Vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Hein? La cuisine? Ah! Mais c'est mes poissons! Ah oui. Mais j'ai pas assez, bro. Désolé. Alors. Merde, est-ce que j'ai des trésors? Oh oui, j'en ai plein. J'en ai plein pour toi. Très bien, j'achète. J'ai 19 450 pièces. J'ai du nouveau en stock. Jure? Alors, grenade explosive. Permet d'apprendre à fabriquer des grenades explosives à du menu confection. Confection des grenades aveuglantes. Pourquoi vous voulez que je fasse des grenades? Vous me cachez quelque chose. Écoutez, on va prendre hein. 30 000 la nouvelle mallette. Ah, cher les gars. C'est vrai que ce pistolet. Si j'améliore ce pistolet 10 000, je prends combien? Je prends 170. Et là, mon pistolet, il est à 180. C'est pas foulichon, foulichon. Peut-être augmenter la puissance du fusil à pompe. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Bonne journée. Pareillement. Bon. Est-ce qu'on se tente la suite? Mais je veux la carte. Quand je sais pas comment on y va. Oh, ce menu est très mal fait. Comment on peut se déplacer, c'est très mal fait. Ok, c'est par là. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va se garder ceci pour la prochaine fois.
Je pense qu'on aura bien flippé quand même durant cet épisode. Ok, c'est bon. Je suis très content d'être revenu dans ce safe point. Dans cet endroit où il peut rien m'arriver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5. Bye tout le monde!